chocolat, chocolat, chocolat. C'est salissant quand même. Je ferais mieux de me laver les mains. Oh, l'eau est chaude. Où est le savon? Il est là. Oh, il est tout gluant. Oh, le savon est dégoûtant, je n'en veux pas. Non, mes mains sont gluantes et dégoûtantes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Attends, j'arrive tout de suite. Oh! Maman! Pourquoi n'est-elle pas encore là? Chérie, ne mets pas de savon sur le sol, c'est dangereux. Maintenant, quel est le problème? Mes mains sont gluantes et dégoûtantes et je n'aime pas ça. Oh, ok, eh bien voilà. J'ai une solution pour ça. Tu peux utiliser ça. Regarde, appuie juste dessus. Tada! Une jolie fleur de savon. Waouh! Des fleurs en savon! J'aime les fleurs, moi aussi j'en veux une. Je dois juste appuyer sur le haut comme ça. Ouah, maintenant il y en a une sur ma tête aussi. Hourra, des fleurs sur ma joue. J'adore les fleurs de savon. Regarde-moi, je suis comme une princesse. Une princesse en savon. Je suis tellement jolie. Oui, tu es une princesse en savon. Tu es magnifique. J'adore les pommes de terre. Il faut qu'on les épluche d'abord. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut. Regarde. Je vais aller plus vite avec ça. C'est plus dur que ce que je croyais. Tada! Il ne te reste plus que ça. Il faut que j'appelle quelqu'un. Allô? J'ai besoin de votre aide. Ouais, une pomme de terre. Au revoir. Un colis pour David. C'est moi. Hey. Signé ici. C'est quoi ça? Merci beaucoup. Allez, qu'on épluche ces fichues pommes de terre. Un petit clic et la machine fait tout toute seule. Je n'ai plus qu'à regarder. J'adore la technologie. Waouh, regarde-moi ça. Eh oui, tu as de quoi être impressionné. Regarde ça. Waouh, une nouille géante de pommes de terre. Regarde ma moustache. Et j'enlève la pomme de terre, bien sûr. C'est trop stylé. Je me suis peut-être un peu trop emballée, là. Attends, j'ai une idée. On peut essayer avec des fruits. Ça fonctionne! Ça épluche l'orange! C'est incroyable! Regarde ce que j'ai! De délicieux légumes! Et plein de poulet frit! Ça va être trop bon! Ça sent les épices! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle! Tu as du poulet et moi j'ai ça! Oh! Hey, c'est pas moi qui impose les règles! Eh oui, regarde le tableau! Tu vois écrit poulet frit là-dessus? Ah, c'est pas vrai! Je sais! On devrait jouer à un jeu! Attends, tu ne comptes pas! Bon, d'accord, j'aime les défis! Si je gagne, on échange nos plats! Ça me va! Tu commences! J'ai la crème! Tu vas le regretter! Oui, oui, si tu le dis! Ok, c'est prêt! C'est parti! C'est excitant! J'ai un bon pressentiment! Pfiou! Rien! C'est la chance du débutant! À moi! Je sais qu'il ne va rien se passer! Non! Oui, j'ai gagné! Wouhou! C'était pas juste! Tu dis toujours ça! Et maintenant, donne-moi le poulet! Je préfère ça! Tu as raison, ça sent bon les épices! Hé, attends! On fait un autre jeu! Non, merci! Ça valait le coup d'essayer. Je déteste les légumes. Burk! Non! Non! Ah! Madison, t'es encore tombée de ton lit? Comment elle peut encore dormir après ça? Voilà! Heureusement que j'ai inventé la solution miracle. Avec ça, elle ne bougera pas. Et surtout, elle ne tombera plus. Hein? Comment c'est possible? Ça lui arrive toutes les nuits. Oh, mais je crois savoir quoi faire. Je vais mettre des frites de piscine tout autour de son lit. Je les ai entaillées au milieu pour que ça rentre bien. Et quand Madison va tourner sur elle-même, elle rebondira sur la mousse. Et elle arrêtera de tomber. Je suis content que ça marche. Et maintenant, pas de bruit. Eh ben, c'est de la pastèque. C'était original. Je l'ai. Vas-y, ouvre-la avec ta force. Pas de problème, je sais faire.
Ce n'est pas grave. Regarde. Je vais l'entourer autour de cette flèche. Ça m'a l'air un peu complexe. Fais-moi confiance. Tu sais tirer avec ça? Je suis experte. Oh, il y a un mot. Madison a des problèmes? Il faut que j'y aille. Aïe! Qu'est-ce qui se passe ici? Ça! Tu peux l'ouvrir en faisant du karaté? Ok, reculez-vous! Il ne faudrait pas que ça vous salisse! Et voilà! C'était trop stylé! Je fais juste mon métier. Ce n'est pas évident à manger. Qu'est-ce qu'on fait? Pas facile, là. Oh, regarde! Pile ce qu'il nous faut! Je vais le mettre sur la pastèque et j'appuie. Waouh! Maintenant, j'ai une part de pastèque! Fais voir! Non, c'est à moi! C'est trop bon! Pas besoin d'outils élaborés! Il faut juste un verre! Je peux m'en servir pour couper la pastèque. Et ensuite, je secoue pour récupérer le morceau. Pas mal! J'ai hâte de goûter! C'est bon! Moi aussi, j'en ai un bout! Excellent! Je vais goûter celui-là. C'est incroyable! J'adore avoir ma piscine rien qu'à moi! Regardez-moi, je nage! Oh, ça m'a pris toute mon énergie. Je ferais mieux de souffler un peu. Il fait tellement chaud! J'ai besoin de fraîcheur! Tenez, madame. C'est une blague? C'est quoi, ça? C'est de l'eau. Tonton, on a un problème. J'ai envie d'une boisson rafraîchissante. Je m'en occupe. Nanananana. Je ne veux que le meilleur pour Betty, du jus d'orange bien frais. Et dire qu'elle voulait lui servir de l'eau. Ne t'inquiète pas, Betty. C'est ridicule. Tenez, madame. Qu'est-ce qui a pris si longtemps? Je vais le dire à maman. Le service est horrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, regarde ces fraises! Elles sentent trop bon! Et qu'est-ce qu'elles sont juteuses! Je pourrais en manger toute la journée, avec les queues comprises! Mais mange-les plus proprement! Il faut que tu les savoures! Ça devrait être une véritable expérience! Et il faut évidemment avoir les bons outils! Ce petit gadget permet d'enlever la queue! Je vise et je tourne! Et plus de feuilles et de queues! C'est mieux! Ouais, je m'en moque! Tu te crois tellement au-dessus des autres! Je reviens tout de suite! Il faut que je me dépêche! Je vais lui emboucher un coin! Salut! J'ai besoin de ta paille! S'il te plaît! Attends! Allez, vite! Merci! C'était gênant! J'arrive, David! Pio, me revoilà! Et j'ai pile ce qu'il me faut! Regarde ça! Je force avec la paille pour qu'elle traverse la fraise! Et voilà, plus de queue! Pas mal! Bien joué! On échange nos outils! Okay. Tiens! Oh, ça va être marrant! Oh, ça veut pas sortir! Ah, ça fait du bien! Je vais m'essuyer! Je veux pas faire comme la dernière fois! Burk! Ça devrait aller! Hé, coucou papa! Elle est tellement heureuse! Burk, quelle est cette odeur? Ça me pique les yeux! Quelle horreur! Je crois que je vais vomir! Betty a encore oublié de tirer la chasse! Il va falloir que je lui montre comment faire! Ce livre est passionnant, je n'arrive pas à le poser! Coucou papou! J'étais dans le jardin avec ma pieuvre! Tu t'es bien amusée? Une seconde! Ce ne serait pas du papier toilette? Mais si! Oh, les enfants, ils sont tellement innocents! Oh non, cette odeur! Elle est de retour! Oh, comment quelqu'un d'aussi petit peut dégager une odeur pareille? C'est impressionnant, hein? Bref, je dois terminer mon dessin. Tiens, ces autocollants me donnent une idée. Il faut que je fasse un peu de shopping. Alors, voyons voir. C'est exactement ce que je cherchais. Comment vous êtes arrivé là? C'est ce que j'appelle une livraison express. C'est la solution idéale.
Je vais le coller dans la cuvette des toilettes. Comme ça, quand je tire la chasse, l'image apparaît. Waouh, c'est magique! Je peux essayer? Je t'en prie. Oh, allez! Ah, enfin! Maintenant, je vais tirer la chasse. Waouh, j'ai réussi! J'ai fait apparaître l'autocollant. Waouh! Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Oh, ça revient, je ferai mieux de sortir. Je te laisse faire, d'accord? Oh, de lait. N'est-ce pas trop mignon? Je pense qu'il mérite une petite gâterie. Ouvre le bec. On dirait qu'il aime ça, non? Regarde, ça descend dans tout son œsophage. Waouh! Tu sais ce qui vient après. Vas-y, tu peux y arriver. On n'a qu'à faire la danse de la digestion. Ok, je crois que ça vient. Vas-y, lâche-toi. Je crois que je le vois sortir. Beurk, c'est dégoûtant quand même, mais trop cool. Tu as fini? Ça ressemble à du sable mouillé. Beurk, c'est dégoûtant. J'arrive! Hé, pousse-toi de là! Oh! Hors de question que tu arrives en premier. C'est parti! Ah, et ce sol est vraiment dur! J'y suis presque! Ce n'est pas un lit qui va m'arrêter! Wouhou! Oui! Trop facile! Oh! Oh! Hé, hey, pas si vite! Ha! J'ai gagné! Pas besoin de crâner! M'occuper de mes cheveux, c'est fait! Regarde-moi ces superbes mèches! Ensuite, je me débarrasse de la mauvaise haleine matinale. Une vraie chouette petite routine. Et maintenant, concert dans la salle de bain. Ouais, les mains en l'air. Qu'est-ce qu'elle fabrique là-dedans? Oh! Un matin qui commence bien démarre avec la grosse commission. Elle décrit un roman là-dedans ou quoi? Attends une minute. Je sais comment accélérer un peu les choses. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait lui servir de leçon. C'est vraiment pas sympa! Mais je sais comment arranger ça. Avec ce super petit gadget. Je le colle directement sur la cuvette des toilettes. Je ferme le couvercle et hop, ça fait de la lumière. Et il y a même plusieurs couleurs. C'est comme si j'avais mon spectacle de lumière personnelle. Ah, c'est beaucoup mieux. Je pourrais rester ici éternellement. Ah. Salut! Ah, ça fait du bien. Oh, la lumière est revenue. Ça tombe très bien parce que je suis sur le point de lui faire une farce qu'elle n'est pas prête d'oublier. Je suis sûre que tu vas aimer ce spectacle. N'oublions surtout pas l'odeur. Si rafraîchissante. Si vous aimez l'odeur de la ferme, quoi. Eh ben, c'est pas trop tôt. Ouf, bon sang, qu'est-ce que t'as fait? Beurk, ça pue, c'est horrible! Beurk, tu te moques de moi? Inacceptable! Oh, c'est mieux! Eh bien, j'ai du boulot! Mais je vais utiliser aussi peu d'huile de coude que possible! Ces produits vont faire le travail à ma place! C'est joli, toutes ces couleurs! Trop chouette! Ça devrait décoller la saleté de la cuvette! Sans que j'aie besoin de frotter! Vas-y, fais ton tour de magie, petite éponge qui fait peur! N'oublions pas le produit moussant. On met beaucoup de mousse. On dirait presque que quelqu'un a fait la fête. Je pense que j'en ai utilisé assez. Maintenant, il ne reste plus qu'à tirer la chasse. Adieu, vilain caca. Tu ne me manqueras pas. Waouh, regardez-moi cette propreté. Et en plus, ça sent bon. C'est mon tour maintenant. Ouah! J'ai l'impression d'être assise sur un glaçon. Oh! Je peux peut-être faire quelque chose avec ce truc. Ça ne coûte rien d'essayer. Comme ça, ma peau ne touchera pas le siège. Hé! Hey! C'est toujours aussi gelé. Ma peau ne ment pas. J'en ai la chair de poule, tu vois? Mais j'ai une idée encore meilleure. Mon jeu popite. Par ici, les amis, installez-vous. Étalez-vous sur le siège pour me protéger du froid. Formez une barrière entre les toilettes et moi. Et voici le dernier. C'est pas génial? En plus, c'est joli à regarder. Maintenant, je peux m'installer.
Oui! C'est si confortable! Je ne devrais pas mettre très longtemps. Qu'est-ce que je disais? Tiens, ça m'a donné une idée. Oh oui, ça va être drôle. Je dois d'abord bien le réchauffer. Parfait. Allons-y. Chocolat ou caca? Le but, c'est de faire croire que c'est du caca. La salle de bain est libre. Enfin, c'est pas trop tôt. Quoi? Regarde ça, tu peux t'asseoir dessus. Sérieusement? Oh ouais, ça a l'air plutôt cool. Laisse-moi voir ça. Oh! Dans quoi est-ce que je viens de marcher? Génial, regarde ta tête. Ça fait du bien de se venger. Je peux pas bouger. Ah! Je crois que je vais vomir. Enlevez-le de là. Ok, essaye de rester calme. Je déteste avoir une sœur. Je pense que je vais devoir prendre un petit bain. Apparemment, sans eau. C'est un cauchemar. Oh! Comment est-ce que je peux laver mon pied? Peut-être que ça pourrait m'aider. C'est parti! À moi les pieds propres. Il suffit de remplir ça de mousse et de mettre le pied dedans. Ça chatouille. Mais c'est aussi relaxant. On dirait un massage de pied. Maintenant, dans la botte pour rincer. Enfin, ma peau est belle et toute propre. Je vais envoyer ça à Sunny. Rien ne me fait peur, ok? Hein? Un message? Quoi? Son pied est déjà tout propre? Comment c'est possible? Hein? Tu ne m'auras jamais, Sorette. Attends, t'as besoin de laver tes cheveux? Attends, maintenant, oui. Burk! Quelle horreur! Laisse-moi tranquille! Je suis toute dégoûtante! Oh! Bon sang, ce shampoing m'a fait du bien. Et maintenant, je vais les sécher. Ça fait du bien. Mais ça prend plus de temps que je ne le pensais. Ok, enfin, j'ai terminé. Hé, pas mal du tout! Je suis prête! Où est donc passé tout le monde? Ah! Quoi? Non! Je viens de me coiffer! Oh! En plein dans le mille! Tu trouves ça drôle, hein? Mes cheveux sont à nouveau trempés! Mets-toi ça sur la tête la prochaine fois! Du plastique? Attends, en réalité, je pense que ça pourrait m'être utile! J'ai juste à mettre mes cheveux dedans, de recouvrir ma tête et de l'attacher à l'arrière! Je fais juste un petit trou ici pour y passer le sèche-cheveux! Ah! De la chaleur! Comme dans un salon de coiffure, non? T'es complètement folle! Eh bien, vois par toi-même si je suis folle! Pas mal, hein? J'en crois pas mes yeux! On ferait mieux d'y aller, on va être en retard! On a encore une longue journée devant nous! Hé! Hey, pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Nous nous sommes enfermés à l'intérieur! J'y crois pas! On dirait qu'on est bloqué dans les toilettes. Et dire que je voulais désespérément venir ici tout à l'heure. Et maintenant, tout ce dont j'ai envie, c'est manger. Est-ce qu'il y a quelque chose de comestible ici? J'ai peut-être un ou deux snacks. Oui, t'es la meilleure. Tiens ça. Hé! Ce truc est trop difficile à manger. C'est vraiment pas mon genre de chance aujourd'hui. Ah, peut-être que je peux arranger ça. Tiens, tu peux le porter comme un plateau portable. Il sert même pour tenir ta boisson, tu vois? Bon appétit à moi-même. Oh, ça a l'air délicieux. Tu vois? Moi, j'ai plutôt envie de quelque chose de sucré. Et pour rester dans le thème, je mange dans des toilettes. Enfin, des toilettes remplies de bonbons, en tout cas. Trop bon! Oh! Les filles, vous êtes là? Hein? C'est papa! Laisse-le continuer à frapper! Oui, bonne idée! On n'est pas si mal ici après tout! Mmh.
Nous savons que l'école peut être difficile. Je veux dire, toutes ces révisions et ce travail ennuyeux en classe. On n'a pas le temps de s'amuser. Mais c'est là que nous intervenons. Nous sommes là pour mettre un peu de magie dans ta journée d'école. Bien, écoutez tous. C'est important, ça fait partie de l'examen. Oui. Très bonne attitude, Madison. Hein? Il a dit quelque chose? Je suis trop concentrée sur mon jeu. Waouh, Madison est super douée. Oui, on me le dit souvent. Cette fois, tu vas perdre. C'est impossible de la battre, mais je vais essayer. Quelqu'un peut-il répondre à cette question, les enfants? Super court, monsieur. Eh bien, merci. Je ne m'y attendais pas. Wow, j'adore ce jeu! Allez, je ne dois pas la laisser gagner! Il y a quelque chose qui cloche. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Parfait, il est toujours occupé. Continue de jouer. C'est bien ce que je pensais. Une seconde! Oui, j'ai gagné! Non, j'y étais presque! Aïe! Je vais avoir une marque. Oh! Ah, les voilà, mes touches. Il faut que je les répare et que je ferme ce jeu. Mais comment? C'est pas évident. Non, ça va pas marcher. Oh, c'est pas mal. Et ça me donne une idée. Je vais utiliser de la pâte à modeler pour faire un petit burger sur la touche. Il faut ajouter du fromage. Puis, je remets un petit pain. Je remets la touche sur le clavier. C'est parfait. Oui, ça fonctionne. Vite, faisons comme si de rien n'était. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, vous étiez en train de jouer, j'en suis sûre. De jouer? Mais à quoi? On fait simplement nos exercices. J'ai dû vraiment me cogner la tête. Désolée les filles, continuez. Il est tombé dans le panneau. On joue? Bien, il n'y a personne dans les parages. C'est l'heure d'un petit encas. Oh, des bonbons, j'en veux! De rien. Oh, ils ont tout pris. J'en ai même pas eu. J'en voulais vraiment. Oh, j'ai du chewing-gum. J'ai trop hâte. C'est du chewing-gum? Non, attendez, c'est à moi! Pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça? C'est trop énervant. Bon, soyons naturels. Personne ne remarquera. Je vais faire vite. Ça sent les chips. Je les veux absolument. Hein? Il faut juste que je sois discrète. C'est sûrement rien. Allez, c'est maintenant ou jamais! Qu'est-ce que... Hé! Hey, rends-moi ça! Oh, c'est vide! Oh. Attends voir. Je crois que j'ai une idée. Je vais commencer par couper le tube en deux. Ensuite, je vais le recouvrir d'un joli papier. C'est pas mal. Je vais le remplir à moitié avec mes bonbons préférés. Puis, je vais glisser le couvercle en plastique dedans. Et je mets mes crayons par-dessus. On dirait un pot à crayons. Mais il cache un délicieux secret. À moi de jouer! Si je fais glisser le papier vers le haut, je pourrai avoir des bonbons. Personne n'en saura rien. Ahem. Oh, c'est rien que des crayons. Je croyais que t'avais des bonbons. Ouf, ça a failli. Mais ça a marché! Ah, il faut pas que je sois en retard en cours! L'heure tourne et je suis si près du but! Regarde tous ces obstacles! Mais rien ne pourra me ralentir. Je serai à mon bureau avant que la cloche ne sonne. Je suis une machine fine, studieuse et déterminée. C'est parti! En avant! Attention! Wow! Hey! Non! Hey, j'ai lu ce livre! Je vais y arriver! Rien ne peut m'arrêter maintenant! J'y suis presque! Oh non! Non! C'est l'heure du cours, hein? Bouge! Je peux pas m'arrêter! Ça sent pas bon! Qu'est-ce que je fais? Ah! Ouch! Ça fait mal! Oh non! Je retrouve pas mes lunettes! Où elles sont? Pourquoi tout est flou? Qui a dit ça? Oh! Il nous faut nos lunettes! Ça pourrait nous aider! Je vais commencer par appliquer de la colle sur une allumette. Ensuite, j'attends que ça sèche. C'est parfait. Maintenant, je peux allumer l'allumette. Je vais la laisser brûler et ramollir la colle. Ensuite, je peux la frotter sur les branches de mes lunettes. Ça devrait être assez solide. En
on est superbe et surtout, on y voit quelque chose. Oh non, quelle heure est-il? On est en retard! Pousse-toi de mon chemin! Bouge! Très bien, les enfants, c'est l'heure de l'examen. J'espère que vous avez révisé. Je suis sûre que je vais échouer. Oh, je connais cette réponse. Oh non, je vais devoir deviner. C'est mieux que rien. C'est pas facile. Je crois qu'il me faut un coup de main. Dites donc! C'est pas du tout ce que vous croyez. Je le confisque. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Bien, passons au plan B. Oh non, la prof arrive! Il faut que je cache ça. Je te surveille, tel un vautour. Ah ouais? T'as raté un truc. Je dois faire vite. Oh non, c'est une catastrophe! Il faut que je trouve autre chose. Mayday, Mayday! J'ai besoin de réponses! Oh, super! Est-ce que c'est une blague? Elle triche encore! C'est bon, tu l'as? Bien! Alors, la suivante, c'est 45. Oh, bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Donne-moi ça, une seconde. Naomi, tu es dans un sale pétrin! Jared? Qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Je crois que c'était pas Jared. Tu ne seras jamais plus maligne que moi. Je connais tous ces vieux trucs. Allô? Elle est trop méchante! Qu'est-ce que je fais maintenant? Oh, je sais! Oh, j'ai pas assez de doigts! Heureusement que j'ai les pieds propres. Bon, où j'en étais? Qu'est-ce qu'elle fait encore? Naomi? Vous permettez, j'essaye de travailler. D'ailleurs, j'ai terminé. C'était marrant. Tenez, madame. Waouh, tu as fait vite. Hé, Annie, tu peux m'aider? Pas de souci. Regarde. Il faut que tu multiplies les chiffres par 2. Comme ça. Ensuite, tu ajoutes la virgule. C'est aussi simple que ça. Waouh, c'est incroyable! Merci. J'aurais aimé savoir ça plus tôt. Et voilà, je peux rendre ma feuille. Je sens qu'on va s'amuser. Hein? Non, c'est pas possible. C'est un A! Je suis un génie. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle étudiante. Dites bonjour à Madison. Salut! On va te trouver une place. Non, pas ici, s'il te plaît. Où est-ce qu'on va te mettre? Oh, assieds-toi près d'Emma. Waouh, merci! Génial, comme si j'avais besoin de ça. Salut voisine, moi c'est Madison, on est copines de bureau. Tu t'emballes un peu, lâche-moi la main. C'est chouette, j'adore me faire de nouveaux amis. Je veux tout savoir de toi. C'est quoi ton plat préféré? Où est-ce que t'as grandi? Heureusement que le cours est terminé. T'as des animaux? Moi j'ai un chat, il s'appelle Moufle. Je les ai pris pour toi, Emma. Oh, merci Léo. Et on devrait sortir plus tard. Emma, je croyais t'avoir perdu. C'est vraiment dommage. Où est-ce que tu vas? Elle est partie. Ouf, je vais rester cachée là un moment. Où est-ce qu'elle est cachée? Elle doit être quelque part par là. Où est-ce que je pourrais me cacher? Ah, un peu de calme. Coucou copine, qu'est-ce que tu fais là? Pas moyen de lui échapper. Je peux pas m'en débarrasser. Elle est partout. Une seconde, je crois que j'ai une idée. Il me faut juste des écouteurs. Je cache le fil dans ma manche. Puis, je mets les écouteurs dans mes oreilles. Je vais les couvrir avec mes cheveux et mes mains. Je vais pouvoir écouter de la musique sans que Madison ne le sache. Salut Emma, tu fais quoi ce midi? Ah, c'est parfait. J'étais là genre pan pan et puis je me suis réveillée. Hey, pas de bavardage en classe. Pardon madame. C'est votre dernier avertissement. Annie, utilise ton téléphone. Bonne idée. Au moins, on ne parle pas. La prof n'a pas parlé de nos téléphones. C'est trop drôle. Une minute, je sens qu'il se passe quelque chose. Les téléphones sont interdits, je les confisque. Oh, c'est pas juste. Comment on va faire maintenant? On s'ennuie. Attends, je crois que j'ai une idée. Tout ce dont j'ai besoin, ce sont ces post-it. Je vais en faire un petit carré, sur lequel je vais coller un autocollant avec une bulle. Ensuite, je le mets dans ma coque de téléphone. On dirait une appli. J'ai découpé un carnet de la même forme que mon téléphone. Et je le mets dans la coque. Maintenant, je vais coller des messages dessus. C'est comme un téléphone. Naomi, prends-le.
Waouh, c'est génial! Je vais répondre. On va pouvoir terminer notre conversation. Plus besoin de téléphone. Les filles, qu'est-ce que vous faites? Oh oh, je prends juste des notes. Parfait, j'aime ce genre d'attitude. Alors si vous ouvrez votre livre au chapitre 10, je vais la prendre en photo. Annie, regarde ça! C'est trop gênant! On devrait la poster! Une bouchée pour maman? Non, je n'en veux plus! Oh, tu es tout sale! Oh, j'ai une idée! On va essayer ça! Jake, regarde ce que maman a trouvé! Oh, moi! Miam! C'est bien, et on mange tout, hein? Merci, maman! Ouaf, ouaf! Bonjour, monsieur le chien! Achoum! Burk, de la morve! De la morve? Tu es malade? Hein, papa? Qu'est-ce que tu fais? Tu as le front chaud! J'espère que ce n'est rien! Heureusement, j'ai toujours une trousse de secours à portée de main! Voyons voir, qu'est-ce qui pourrait nous être utile? Hé! Hey, qu'est-ce qui se passe? Pas besoin de ça, pour l'instant! Du sirop pour la toux? Burk! Ah ah! Ce truc est génial! Ah, voilà ce qu'il me faut. Ellie, mais où est-elle passée? Hé, ici, il ne me trouvera jamais. Je voudrais juste prendre ta température. Jamais. Ellie, reviens ici. Je ne rigole pas. Cesse de faire l'andouille. Oh, mais attendez. Je sais. Ah, ça fera l'affaire. Et hop. C'était quoi ça? Elle ne se doute de rien. Maintenant, voyons voir si tu as de la fièvre. Ouf, fausse alerte. Tout va bien. Je peux replonger dans mon livre. Hein? Oh, ça a l'air grave. Chérie, est-ce que ça va? Ma glace est très froide. Regarde. Miam. Ah, ouf, tu m'as fait peur. Tu es un papa poule. Oh, un soda. Après tout, j'ai bien le droit de me faire plaisir de temps en temps. Allez, ouvre-toi. Ça va, maman? Ça va, chérie. J'essaie juste d'ouvrir cette bouteille. Ça doit venir de la bouteille. Je vais en prendre une autre. Oh, celle-ci aussi. Est-ce que tu as besoin d'aide? Maman va y arriver, mon poussin. Bon, ça devient pénible. Calme-toi, maman. Ne m'oblige pas à te briser. Très bien. Puisque c'est comme ça, je vais prendre une canette. Au moins, je suis sûre de pouvoir l'ouvrir. Mais c'est pas possible. Ça fait peine à voir. Ça devient vraiment gênant. Oh! Ce n'est pas de ta faute, c'est ce stupide soda. Je ne veux plus voir ça. Tiens, prends ça. Oh! Bon, il faut que je fasse quelque chose. Les poupées, il faut qu'on aide maman. Bonne idée. Oh, c'est pile poil ce dont j'ai besoin. Je suis sûre que ça va marcher. Maman. Tiens, prends ça. Oui, chérie? Essaye avec ça. C'était exprès pour ouvrir les bouteilles. Ah oui? Regarde. Tu le mets sur la capsule comme ça. Voilà. C'est super facile. Oh, oui, en effet. Je vais enfin pouvoir déguster ce soda. Merci, Ellie. En plus, il ouvre aussi les canettes. C'est pas vrai. Il faut simplement utiliser l'extrémité de la poignée. Pas mal, non? Oh, c'est très futuriste. C'est aussi simple que ça. Oh, moi, je vais prendre celui-ci. Hé, hey, tu connais les règles. Pas de soda après 16 heures. Oups. Je peux manger ça? Je t'en prie. Ça ouvre même les petits pots. Je l'ai bien mérité. Oh, ça c'est ma voiture préférée. Elle est toute jaune. Oh non! Est-ce que tout va bien? J'ai mal au ventre. Ça va aller. J'ai envie d'aller aux toilettes. Oh, il faut réagir alors. Vite, dépêchons-nous.
Fais comme chez toi. Non, je ne peux pas. Et comme ça, c'est mieux. Non, toujours pas. Ah, et regarde ça. Je ne sais pas utiliser les toilettes. J'ai compris, ne bouge pas. J'arrive. Fais vite. Allez, je vais essayer. Voilà ce qu'il me faut. Ça aidera sûrement Jake. Comment est-ce que ça marche? Non, ce n'est pas comme ça. Attends. Je fais ce que je peux. Tu as l'air ridicule. C'est méchant, ça. Ne t'inquiète pas, Monsieur Flamant Rose va te montrer. Ah bon? Mais comment? D'abord, il faut le nourrir un peu. Parce qu'il a très faim. Waouh! Allez, mange tout. Ensuite, il s'assoit sur les toilettes. Ah, d'accord, je vois. Il digère sa nourriture et il fait son affaire. C'est un peu dégueu, quand même. Mais c'est bon. J'ai compris comment utiliser les toilettes. C'est parti. Oh, je verrais mieux de sortir d'ici. Merci, Ellie. À tout à l'heure. Ouf, ça marche. Vroom. Oh non, un accident. Bip bip. Oh, qu'il est mignon. Hé, hey, pousse-toi de là. Vroom. Allez, donne-moi ça, c'est l'heure du petit déjeuner. C'est pas grave, j'en ai un autre. Il faut manger, mon chéri. Non, je vais continuer à jouer. Vroom. J'ai dit non. Tu manges ton assiette et je garde les jouets tant que tu n'as pas fini. Oh, c'est trop nul. Oh, trop bien, un autre volant. Vroom, je suis un pilote de course. Ah, c'est moi le meilleur. C'est bon, mon poussin? Oh non. Mais c'est pas vrai. Quel bazar. Ah, j'ai une idée. Merci. Grâce à ça, plus de soucis. J'aurais dû y penser avant. Comme ça, il ne pourra plus rien renverser. Oh, c'est quoi ça? Je le veux. Donne, donne. Une minute, mon chéri. Je vais mettre le petit déjeuner dedans. Youpi! Et voilà. Oh, trop bien. Regardez. Merci, maman. Avec plaisir. Fini les cochonneries. J'adore ce bol. Être le meilleur pilote, ça donne faim. Il faut que je me dépêche. Vroom! Hé, hey, regardez tout ce dentifrice. Ça fait beaucoup. Coucou, Jake. Tu te laves les dents, mon garçon? C'est très bien. Hein? Oh! Aïe! Mais d'où est-ce que ça sort, tout ça? Jake, qu'est-ce que c'est que tout ça? Celui-là est fini. Oh, Jake, tu as utilisé tous les tubes de dentifrice? Coucou, maman. Ouais, c'est pour bien laver mes dents. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, mon ange. Regarde-moi ce bazar. Chérie, pose ce tube de dentifrice. Pourquoi? Je voudrais te montrer comment faire. Regarde. C'est quoi? On met le tube de dentifrice juste ici. Et on le colle au mur. Comme ça. Oh, waouh! Maintenant, regarde. Tu mets ta brosse à dents à l'intérieur et l'appareil dépose la quantité idéale de dentifrice. Ensuite, tu peux te brosser les dents. C'est trop génial! Je peux essayer? Maman, regarde, ça marche! J'y arrive! C'est bien, mon lapin. Continue le brossage. Qu'y a-t-il de mieux qu'un pique-nique entre un père et sa fille? Pourquoi tu ne ferais pas un dessin pendant que j'installe tout? Tiens, et si je mangeais une tranche de concombre? Croquant! C'est rigolo, papa. Je passe une super journée. Ouh, quelque chose m'a piqué. Prends ça. Oh, ça gratte. Méchant moustique. Oh, ça sent pas bon. Je veux pas rester ici. Ce concombre est délicieux. Je passe un excellent moment. De la bonne nourriture, un temps magnifique et un bon moment avec ma fille. Sauve-toi, papa. Ouf, ils sont partis. Enfin. Non, c'est pas possible. Non! Ils s'en prennent à papa! Alors là, non, il faut que je fasse quelque chose! J'ai vraiment de la chance! Oh! Il y avait un moustique! Il était énorme! Je t'ai sauvé! Un moustique, tu dis? Merci! Une petite minute, j'ai la solution!
On n'a qu'à utiliser ça. Je l'avais complètement oublié. Il s'agit d'une tente anti-moustique. Comme ça, plus de problème. Waouh, c'est trop cool. On va dedans? Waouh, c'est grand. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de moustiques. Nananer. Bien dit, ma chérie. Attendez, je ne suis pas sous la tente. Oh oh. Oh, Betty. Oh, j'ai mal aux pieds à force de marcher. J'espère que j'ai pas oublié ma clé. Hein? Oh non! Qui est-ce qu'elle va attraper? Faites que ce soit pas moi, non! Hein? Non, c'est pas ça. Oh non! On peut se cacher nulle part! Un biscuit? Génial! Vite, par là! Qu'est-ce que... Bref... On va pas s'en sortir, c'est la fin! Je t'aimerai toujours! Ouf! La voilà! Enfin de retour à la maison! Ouf! Pourquoi ça marche pas? Aïe! Oh, allez! Cette fichue clé doit bien être là-dedans! Non mais c'est quoi ça? De la nourriture pour cochon? Mon palais est trop fin pour des mets aussi grossiers! Hé! Hey. Yo mec, ça roule? Ah, oh, par ici, je vous prie. Une seconde, je prends un stylo. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? N'importe quoi, pourvu que ce soit bon. N'en dites pas plus. Une petite sucrerie? Bah, non. Très bien, j'ai compris. Vous avez une grosse faim. Hein? Non, pas vraiment. Je voudrais quelque chose de plus consistant. Je peux y mettre le prix, comme vous pouvez le voir. Très bien, n'en dites pas plus. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est bien meilleur que ça en a l'air, croyez-moi. Je n'en reviens pas. Est-ce que c'est une plaisanterie? Goûtez, vous m'en direz des nouvelles. Oh! Dans ce cas, je vous remercie. Est-ce que c'est une poudre acidulée là-dedans? En plus, il y a même une petite sucette. Je n'en attendais pas moins. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Ça chatouille. C'est exquis. Je vais goûter avec la poudre acidulée. Doucement, hein? C'est tout doux. Oh oh, je sens que ça va être encore meilleur. Allez, j'y vais. Que c'est bon. Burk, il a la langue pleine de salive. J'ai l'impression d'être à la piscine municipale. Oh, c'est déjà fini? Hein? Où est ma tête? Terminé! Dites, il vous en reste encore? Tenez, prenez tout! Ça me semble être un bon compromis! Tadam! Voilà de quoi tenir une semaine! Tenez! Waouh! Merci infiniment! Non, merci à vous! Waouh! Il commence à faire sacrément chaud ici. Oh yeah! Enfin une fille dans cette salle de sport. Waouh! Quoi? Hein? C'est une fille? Bref, j'arrive pas à en croire mes yeux. Waouh! Allez, il est temps de se mettre au boulot. Par quoi est-ce que je commence? Oh, c'est vraiment très lourd. Oh, ouais. J'aimerais tellement l'inviter à sortir. Ouf, ça y est, je sens que mes muscles commencent à s'échauffer. Elle est belle même quand elle transpire. Regardez comme elle rayonne. Waouh, mon cœur bat à toute vitesse. Ça suffit, on change. Et un, et deux. Et maintenant, elle bondit comme une biche. Elle a l'air tellement légère. Cette fille est incroyable. Ouf, un peu de cardio, ça fait toujours du bien. J'y vais, les gars, je me lance. Jack a beaucoup de charme. Laisse tomber, mec. Salut, tes nouvelles? Oh, c'est quoi cette odeur bizarre? Attends. Oh! Sérieux? Quelle sale odeur! Oups! Oula! Oh, oh, Burk, j'ai complètement oublié de mettre du déodorant ce matin. Bon, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Prêt? C'est parti! Je vais me débarrasser de cette sale odeur. Burk, c'est tout humide. Et ça pique aussi.
Oh non, je crois qu'il est vide. J'espère qu'il en reste un peu. Oh, quel enfer. Je le savais bien qu'il en restait un peu. Il faut bien que j'en mette de partout. Ouf. Est-ce que tout va bien? Oh. Ah, il faut que je fasse quelque chose. Oh, hé, est-ce que tu m'entends? Allez, il est l'heure de se réveiller, ça va? Ouf, pendant un instant, j'ai eu peur. Oh, regarde! Faites que ça sente meilleur. Tu veux bien m'aider pour mon prochain exercice? Et cette fois, promets-moi de ne pas tomber dans les pommes. Tiens, quelqu'un a oublié son déodorant. Ça tombe bien car mes aisselles sentent atrocement mauvais. Oh! Ah, le plein air. Qu'est-ce que c'est bon? On n'avance vraiment pas. Il va bientôt faire noir. Allez, Wendy! Dépêche-toi! Ralentis un peu! Oh, alors, c'est ça la nature! C'est trop nul! Cette forêt n'est pas faite pour être en talons! Mes chaussures vont être fichues! Je n'arrive même pas à marcher droit! Oh, merci! Hein? C'est vide? Quoi? Je commence à regretter d'être venue. Regarde, j'ai de la pastèque. Tu as porté ça toute la journée? Oh non, je n'ai pas de couteau. Comment on va la couper? Je peux peut-être me servir de ce cure-dent. Je vais le planter dans la pastèque. Et je donne un grand coup dedans. Mais non, incroyable! Ça donne envie. Elle est très bonne. Allez, Wendy! Il ne faut pas qu'on s'arrête trop longtemps! Je n'en peux plus! J'ai besoin de faire une pause! Je ne suis pas faite pour marcher! Arrête-toi, s'il te plaît! Je ne peux plus avancer! Bon, d'accord. Là-bas, ça a l'air d'être un endroit sympa. Oh, cet endroit est très bien aussi! Ça fera l'affaire. Assieds-toi et détends-toi. Tu te moques de moi? Et c'est toi qui as voulu t'arrêter! Je déteste être en pleine nature! Impossible! Je vais salir ma tenue sinon! Oh, je sais! Je vais faire une pause sous ce grand truc en bois. C'est un peu sale. Ah ah! Ça fera l'affaire. Voilà, je peux m'asseoir sur ce mouchoir. Ah, c'est mieux! Je me sens super détendue. Aïe! Sale moustique! Aïe! Oh, c'est pénible! C'est quoi tout ce bruit? Tais-toi! C'est bon, détends-toi! Que c'est confortable! C'est une araignée, là? Oui, c'est une araignée! Elle m'a regardée! Qu'est-ce que... Tu vas voir ce que tu vas voir! Prends ça! Laisse tomber! La nature est censée être un havre de paix! C'est l'araignée qui a commencé! Je sais ce que je vais faire! Je vais enrouler les arbres dans du plastique! Oh, je commence à avoir le tournis. Bien maintenant, cet arbre, je vais faire plusieurs tours. Il faut que ce soit solide. Je vais faire un triangle en plastique. Il ne faut pas que je m'arrête. Ça doit être bien résistant. Et maintenant, je peux passer le film plastique par-dessus. Voilà, fini! Mon petit abri, rien qu'à moi. Je vais l'essayer tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait encore, Wendy? Oh, salut Jennifer! Jalouse? Pas besoin de mentir. J'ai du mal à croire que tu te sois donné tant de mal. Oh, il y a trop de lumière. Comment je suis censée dormir maintenant? J'ai besoin d'obscurité. Cette tente sera parfaite. Wendy, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais la laisser toute seule. En plus, j'ai besoin de ce matelas gonflable. Je vais déplacer un peu la tente. Parfait. Où est passé mon matelas? Ça va être tellement drôle! Non! Arrête! J'utilisais le matelas! Il est à moi! Oula! Tu devrais faire plus de sport! Donne-moi ça! Tu ne bougerais pas! Ça suffit! Tu te moques de moi, là? Oh! Je ne rigole pas! Ok! Attends un instant! Je reviens tout de suite! Je vais laisser le matelas là! Et je vais mettre la tente dessus! Comme ça, elle devrait être contente. Tiens! Mais non, c'est trop bien! Et maintenant, on peut toutes les deux être sur le matelas. Ah, ça, c'est la belle vie! Attends, il n'y a pas d'iceberg par ici, ici? Bien sûr que non, détends-toi! Ne sois pas méchante!
Oh, l'eau est trop bonne! Ah, finalement, ce n'est pas si mal la nature. J'avoue que je m'amuse bien. Je ne peux pas marcher là pieds nus. Je vais mettre mes tongs. Là sera mieux. Heureusement que je les ai prises. Oh, aïe! Oups! Ça ne se déroule pas comme prévu, Jennifer! Wendy, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'aide! Super! Je n'ai pas une minute à moi. Qu'est-ce qu'il y a? Mes pieds! J'ai trop mal! Bon, je vais essayer de trouver une solution. Je pourrais te porter. Oh, tu es plus lourd qu'il n'y paraît. Ça ne va pas marcher. Il nous faut un plan B. Oh, je sais. Enlève tes tongs. D'accord. J'en ai besoin. Regarde. Je vais enlever les attaches des tongs. Et maintenant, je prends un pistolet à colle. Je vais déposer une fine couche de colle autour de la tongue. Je fais bien tout le tour et je vais coller une autre semelle dessus. J'ajoute quelques couches et ensuite je remets la tache sur la dernière. Comme ça, tu ne devrais rien sentir. Essaye-les. Dis donc, elles sont élégantes. J'ai hâte de les porter. Oh, j'ai l'impression d'être super grande et mes pieds ne touchent plus par terre. Je devrais peut-être les vendre. C'est trop génial. Pas d'écran avant de dormir. C'est pas juste. Maman ne me trouvera jamais ici. Tous les soirs, c'est la même chose. Oh, maman! Donne-moi ça. Je pensais que ça allait marcher. Qu'est-ce qu'il fait cette fois? Ça suffit, Alex. Je commence à en avoir marre. Oh! On peut en discuter? Non. Donne-moi tout ça. Et le reste. Mais maman... Tiens. Tout le reste. Sérieusement? D'accord. Il faut que je prenne mon propre appart. Maman me gâche tout le temps la vie. Hein? Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas celle-là. Combien tu en as? J'adore la technologie. Maintenant au lit. Ouais, dans tes rêves. J'ai toujours une longueur d'avance. Oh, j'ai une idée. Je vais le coller au dos de la chaise. Oh, maman revient. Soyons naturels, elle ne se doute de rien. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, regardez-moi ça. Pardon de t'avoir dérangée. J'adore cette chaîne. Il y a toujours des vidéos géniales. Ah, c'est l'heure du petit pissou. Je ne peux plus me retenir. Ah, ça fait du bien. Oui, c'est marrant. J'aime quand ça éclabousse. Oups, je l'ai manqué cette fois. Waouh, j'ai touché le plafond. Piou piou. Sans les mains. J'aurais pas dû boire ce deuxième soda. Je vais aider maman en arrosant les plantes. Bois, petit bonhomme. Oh, en plein dans le mille. C'est génial. Et voilà, je vais tirer la chasse. Il ne faut pas que j'oublie de me laver les mains. Bof, tant pis. Alex, qu'est-ce que tu fais? Va te laver les mains. Toutes propres. C'est bien. Oh, non! Que s'est-il passé ici? S'il te plaît, dis-moi que c'est de l'eau. Alex, c'est toi qui as fait ça? Ouais, fallait que j'aille aux toilettes. Oh, je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Je peux peut-être arranger ça. Oh, il est temps de faire un brin de shopping. Pile ce qu'il me faut. Waouh, le service est épatant. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est tes propres toilettes. Oh, génial. C'est parti. Oh, vas-y, je ne regarde pas. Waouh, maman, j'ai fini. C'est bien. Je te félicite. La 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 la. Oh, salut! C'est très distrayant! Salut les amis! Bienvenue dans notre super émission! Voici une vidéo de l'un de nos fans, Alex! Je suis juste un écolier normal. Mais quand c'est l'heure du travail en classe, j'ai un problème. Je ne trouve rien! Oh, Mickey, j'ai besoin de ton aide! Ça devient trop dur!
Oh, quelle tragédie! Ne t'en fais pas, Alex. On est sur le point de chambouler ta vie. C'est le moment de faire le plein d'énergie. C'est parti, les amis! Toc, toc! Waouh, Mickey! Je suis content de te voir! Oui, on me le dit souvent. Aïe! Tu me fais mal! C'est dans la tête. En avant, les amis! Voyons le problème d'Alex de plus près. Waouh! C'est une catastrophe! Il y a des crayons partout! Je n'ai jamais rien vu de tel. Comment est-ce que tu arrives à travailler? C'est difficile. Il y a même des trucs cassés là-dedans. Je vais les nettoyer après. Quoi? On va le faire tout de suite. Waouh! Maman ne va pas être contente. On n'a pas besoin de ces trucs ennuyeux. Prêt pour le changement, Alex? J'ai exactement ce qu'il te faut. Mets ça. Et regarde. Et c'est parti! Préparez-vous à décoller avec ce petit avion génial. Vous venez juste d'être surclassé. Direction la première classe. Mignon, pratique et intelligent. Il a tout ce dont vous avez besoin. Ce petit bonhomme vous emmènera loin avec son super design. Wow! Pas mal, hein? Voyons ça. Nous l'avons équipé des derniers ciseaux en plastique. Et à l'avant, nous avons une règle pliable. Quelle va être la prochaine invention? Et ces jolies jantes contiennent un taille-crayon. Grâce à la lame de haute précision, plus de crayons cassés. Waouh! Quelle émotion! Et juste ici se trouve une gomme. Elle glisse sur la page en éliminant toutes les erreurs. Regarde-moi ce résultat! Waouh! J'en reviens pas! Ce n'est pas fini. Il y a aussi le dernier poinçon à la mode. Ta-da! Oh, Mickey, je ne savais pas que tu ressentais ça. C'est juste pour l'émission. Allez, lève-toi. Nous devons faire quelque chose pour cette tenue. Oh, je sais. Je préfère ça. Waouh, c'est incroyable. Tu as l'air en forme, Alex. Oh, ouais. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. À la prochaine fois, les amis! Coucou, ma poupée! Dis bonjour à Toutou! Oh! J'ai une idée! Ça sera notre secret! Pousse-toi de là! Je préfère ce genre de jouet! Piou! Prends ça! Ha! Joli tir! Oh, je vais viser les framboises! Ça va être génial! Oh! Regarde ça! Attaque de fruits! Waouh! Ouille! Oh, ça doit faire mal! Qui a fait ça? Pas moi! Tu vas me le payer! Vous faites très peur! C'est parti! Ah! Hein? C'est bon! Oh, t'en as d'autres? Oui! Mes papilles sont en extase. Attends, je vais te montrer comment on fait. Voici une sucette en forme de tétine un peu spéciale. Elle a un trou. Mets la framboise à l'intérieur. Puis presse-la. C'est aussi facile que ça et c'est super bon. Je t'échange mon soda et mes chips contre toutes tes sucettes. Non. Oh, t'es pas gentille. Je sais. Et si on prenait le thé? Hein, moi? C'est le plus beau jour de ma vie! J'ai même amené mon petit chien. Il s'appelle Patchies. Prends ton temps, ma puce. C'est ça. Appuie sur le levier. Oh, j'y arrive! Regarde, papa. Oh non, je dois filer. Je reviens vite. On peut le refaire, papa? Regarde toutes ces couleurs. C'est trop drôle. Il y a plein de formes différentes. Je pourrais faire ça toute la journée. Ouais! Encore! Waouh! C'est trop génial! Regarde, papa! Papa? Où est-ce qu'il est parti? J'aime pas ça! Je savais que cette maison était hantée! C'était quoi, ça? Qui est là? N'approchez pas! Mon papa fait du karaté! J'espère! J'ai trop peur! Ah! Ah!
Je vais l'enfoncer. Aïe. Ça y est, c'est la fin. Pas vrai? Je ne peux pas laisser faire ça. Une porte verrouillée et ma fille chérie. Qu'est-ce que je vais faire? Donne-moi juste une minute. Il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas laisser la porte se fermer. Je sais! Je pourrais utiliser cet élastique. Je n'ai plus besoin de ça. Je place l'élastique sur le loquet et je l'accroche de l'autre côté de la porte. Comme ça, elle ne peut plus se fermer. Ah, je suis un génie! Pas mal, hein? T'es encore là? Regarde ça! Oh, c'est quoi? Regarde! La porte ne se ferme plus. Waouh! C'est super malin, papa! Bravo! Je ne serai pas long, ma chérie! Au revoir, papa! Au revoir, Mickey! Moi, je suis heureuse avec ma pâte à modeler! C'est quoi ça? Oh, je n'aime pas ça! Je dois sortir d'ici! Papa, attends-moi! Tu ne mourras pas!